Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau vlog, vlog numéro 11. Non, 8. 24. Vlog numéro 8. On joue contre Monaco à Monaco. Je suis avec Emile. Et tu dors. On est à l'entraînement. Ça commence direct le jeudi, le vlog là. Hop là. Entraînement, on va à Monaco samedi. Vendredi, si on fait un truc, peut-être que je vlog vite fait. Et puis voilà. Si vous kiffez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, je réponds à tout le monde dans les commentaires. Ce soir à l'entraînement, je teste les nouvelles chaussures, celles que j'ai pas mis la semaine dernière. J'ai un Puma qui ressort celle-là. T'as dit quoi? J'ai un Puma qui ressort celle-là. Ah, il met de partout son crayon, hein. Ça va. Ça va, la forme, la forme. Les nouvelles encore. Les nouvelles encore. C'est bon, il est arrivé, lui. Les 8e. Ah, Luc, franchement, t'es la star. La star. La star qui met des airballs pour en fin de match. Ah Bon Daniel, un petit mot pour le match de samedi? J'espère que les joueurs sont présents. Un bon match, un match sérieux, avec de l'intensité, du rythme, de l'agressivité, comme on a fait sur les trois derniers matchs. On a malchance d'avoir perdu le match aux 2h la semaine dernière. Je pense qu'on a les capacités de battre Monaco à Monaco avec l'équipe. Si on est sérieux, discipliné et rigoureux dans ce qu'on propose. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe qu'on peut... On peut prendre. Si on est sérieux et qu'on défend jusqu'à présent, on peut faire quelque chose de bien à vous. Il est où? Il est passé où? Oh, c'est cher l'essence. Oh, c'est cher l'essence. Il m'a feinté. Il m'a payé. Incroyable. Il m'a payé. Ah mais je pense pas sinon. On va nous taper. Pardon. Direction la salle. T'es propriétaire, tu peux passer. Je suis propriétaire, je passe. Ah oui, il y a Emery, il m'a demandé de lui envoyer la playlist de l'année dernière. Ils ont match. Guettez comment il s'est carré, wesh. Ouais, bah oui, bah on te gêne pas surtout. Ouais, ouais, ouais. Et Titon hier, il a interviewé Daniel, incroyable. Hein? Titon avec la caméra, il a pris la caméra, il a interviewé Daniel. Incroyable. Hier. Allez, on y va. Plus fermé. Le biscuit était fermé, j'avais pas regardé les horaires. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Il y a Emile qui nous a rejoint. On a regardé tout l'entraînement du 17. Après on va manger. Petite heure et demie là, calé à la salle de basket. Ah,
Ah, dommage. Oui, monsieur. Bah, la soirée continue, hein. Petit McDal. On est pas McDo, là. Ah bon? On est où? Encore? Salade & Co, là. Salade & Co? Tu prends une petite salade, bien healthy. Et c'est quoi, ça? Et ça, c'est quoi? Oh, combien tu prends une frite, tu la trempes dans ta boisson et tu la manges? 3. 1, 2, 3, 1. Reverse. 1, 2, 3, 1. Tu prends une potée de sauce, tu la trempes dans ton fond et tu la manges. Ok, je vais le faire. Emile, pour combien en fait tu fais la même chose? Ah, ça a pas de goût. C'est une potée de sauce sucrée en fait. Oui, Emile. Ok. Vous voyez à quel point il conduit mal. Attends. Ils furent en train de filmer. Attends. Là tu rends fou, frère. Vas-y, comment c'est possible comme ça? Vas-y. C'est bon, je peux aller. Sois présent un peu. Oh. Vas-y, c'est pas grave, vas-y. Ça... Il est dans le check free, il est de la merde, frérot. Vas-y. Présent, vas-y, parle maintenant. Bon là, il faut parler, frère. Ouais, vas-y. Ok, fin de soirée, on a vlogué tout ça. Moi je préfère, ouais. Ouais. Vas-y. Donc là, fin de soirée, on va au cinéma. Je vais pas vlogger au cinéma parce qu'on va rien voir. Je vais pas vlogger le film. Vous irez le voir au cinéma si vous avez envie de le voir. Et sur ce, on se dit à demain pour le jour de match. Et voilà. Jour de match. Ouais. On est au départ pour aller à Monaco et puis on va y aller, hein. Je crois que c'est parti. Salope. On y va. Allez, c'est parti. On est arrivé à Monaco. Ah ouais. On arrive derrière le stade Louis II. J'ai mal au cul. T'as mal au... Quoi? Il y a Dijon qui vient de passer devant nous là. Parce qu'ils jouent. Ils jouent ce soir. Je pense qu'ils vont s'entraîner. Nous on joue dans la salle annexe, pas dans la salle des pros. Teammates. Squad. C'est bon, on est arrivé à Louis II. Là ils ont vu David Alston et du coup ils courent tous vers... C'est moi Loïc, c'est pas lui. Ouais, gros, voilà, elle est là la star. Come fly with me. Laissez David tranquille les garçons. Ça me rappelle la belle. Ça me manque. Bon. Ça se passe pas comme d'habitude, petit souci technique, j'ai bien le seum, ça me fait bien chier. Parce que tout simplement, il n'y a personne qui a pu filmer le match contre Monaco. Il y a Emile qui a filmé le début de l'échauffement, comme vous avez vu, mais il est sur le banc avec nous, il peut pas filmer le match. Puis Monaco, je crois qu'ils ont filmé le match, eux, mais j'ai pas réussi à récupérer les vidéos à temps pour les mettre dans la vidéo. Donc je suis désolé. Vous avez pas le match en vidéo sur ce vlog-ci. Et pour vous résumer la situation, je pense que ça tombe plutôt bien, parce qu'on a fait de loin le pire match depuis le début de la saison. Donc au final, on perd de 30. À la mi-temps, je crois qu'il y a moins 10. On tient à peu près jusqu'à la mi-temps, et deuxième mi-temps, c'était catastrophe. Tout ce que vous a dit Daniel à l'entraînement tout à l'heure, qu'il fallait avoir pour battre Monaco chez eux, l'intensité, la rigueur, l'envie, etc. On n'a rien eu, tous les uns comme les autres, on n'était vraiment pas dedans, je sais pas, c'était... Tous les matchs qu'on perd avant, on les perd de pas beaucoup. Là, c'est le premier match où on s'est vraiment tapé de beaucoup. Va falloir changer des trucs, ça fait chier du coup, puisqu'on se retrouve à 5 défaites et 3 victoires. J'espère qu'on va réagir bien comme il faut la semaine prochaine. Je m'excuse encore pour le match que j'ai pas pu vous mettre dans la vidéo. Et sur ce, je vous laisse avec la fin du vlog. Il y a Hugo qui est descendu de Levallois et on a passé le week-end avec lui, Sacha et Nils. Donc j'ai vlogué une journée entière avec eux. Je vous laisse avec la fin du vlog, j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà. Je suis à Villefranche-sur-Mer, je suis resté chez des copains parce qu'ils habitent à côté de Monaco, à Villefranche. Et... Oh merde.
Tu peux venir parler si tu veux, Nilsson. Il a perdu, ce nul. Plus 30 pour Monaco. Dans une mauvaise période pour Bordeaux en ce moment. On peut dire ça. C'est la crise. Ouais, non, c'était... On s'est dit... fais gaffe à ce que tu dis, Nice. Non, on s'est dit, bah, on pensait honnêtement plus fort. Après, je pense que le match... On s'est dit, c'est peut-être le bus qui vous a fait fatiguer, vous étiez... Quoi? Mais je sais pas. Oui, non, t'as raison. Vous étiez pas en forme, hein. Ah non, mais non, on a fait le pire. Enfin, le match ne reflète pas notre niveau, je pense. On a vraiment très, très, très mal joué. Oui, les gars, on fait une TikTok. Il est trop cool. Petite plage. Quoi, non, petite? Grande plage. T'es un truc, quoi. Moi, je pense qu'ils se sont fait rentrer dedans dès le début. On voyait une équipe de Monaco bien plus agressive. Ouais. Ça se voyait des court sides. Vraiment, rien qu'en court side, c'était assez flagrant. Ouais. L'avantage du terrain aussi, après pas de réussite, de l'autre côté ils ont eu de la réussite, et après c'est le basket, hein. Quand tu sombres, tu sombres, et on de l'a sombré, et ça peut arriver, et puis voilà. Voilà, c'est plutôt bien résumé. Bon, après la plage, on va un peu practicer. Come on, man! That's too easy! Ouais, et on verra ça tout à l'heure, hein? Tu fais le malin, là. Et on va practicer au golf. Et c'est où le golf? Chez ta mère. Voilà. Incroyable, on se retrouve là-bas. Échauffement du dos. Ça va swinguer, là. Incroyable. Chiche! Il a un peu tapé. Ouais, il t'a tapé. Hein. Le basketballeur au golf. Wow, il est chaud. Ouais, il est chaud. Allez. Là, en fait, comme ça. Oh! Faut avoir le bras tendu ou pas? Oui. Comme ça. Voilà. Et sois naturel comme tu veux. Ouais, coach Nils, hein. Ah! Oh! Oh, nice! Oh, pas mal. T'as fait la même comme moi. Chiche. Ok, pour finir, petit tournoi sur le green. Au fond, ok, vas-y. Tire où tu pointes. T'es encore plus loin que moi. Pff. Oh non. Qui est bon ce gars, lui. Oh. Merde. Quel con, yo. On a rien vu, on a rien. Bon, la mienne est allée là, du coup. T'as fait 3 coups, Luc, moi j'en ai fait 2 et Nils 1. Archeum, hein, archeum. Vas-y, fini. 16, 5 coups. 3, 4. Bon bah c'était sympathique. On se retrouve le lendemain matin, on a passé une bonne petite soirée par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous kiffez les vidéos comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker,
à commenter, je réponds à tout le monde. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.